Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 26 décembre 2013, jusqu'à preuve du contraire, ouais c'est ça. Et on est sur le point de tuer, de détruire, de casser ses jambes. Donc voilà, je sais que j'ai besoin de les améliorer encore un peu beaucoup. Et voilà, on va les détruire, on va les casser, on se motive, on est présent. Et voilà, on se voit à la salle. Ok, bon, on vient de finir l'entraînement des jambes. J'ai qu'une envie, c'est de vomir. J'ai failli gerber tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est de vomir. Donc voilà, c'est bien passé. Ce soir, je reviendrai peut-être pour faire abdos et finir les mollets, parce que j'en pouvais plus. Et voilà, on se voit à la maison. Là, je vais prendre la compote pour l'hydrate simple, le shaker de whey, and putain, d'autres merdes, j'en peux plus. Je vais vomir. C'est, on se voit après, on se voit après. Ah ok les gens. Voici la compote. La compote amplement méritée. Enculé. Donc pourquoi une compote après l'entraînement direct? Comme j'ai dit tout à l'heure,
un peu en gaspiller. Pour les hydrates simples, les sucres rapides direct après l'entraînement. Déjà pour éviter le coup de mou. Et ensuite, ça aide les fruits, le sucre, aide à l'absorption des protéines. C'est pour ça que le matin à 10h, je prends une banane pour le fructose, en plus de la protéine, de la whey pour augmenter l'assimilation. Damn, putain, c'est bon! Enculé. Oh putain, c'est un délice. Là, c'est des compotes. Carrefour Market, là, Carrefour Basique. Je les prends sans sucre, vous les prenez avec sucre. On appelle ça la récompense du guerrier après l'effort. Voilà, donc là, la compote. Ensuite, on va passer sur une gélule de gluta, 6 g de BCAA, 5 g de créa, 30-40 g de whey. 30-40 g de whey, histoire d'avoir au moins 30-35 g de protéines pures. Et voilà, et une demi-heure après, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? Parce qu'on va faire du riz poulet pour faire original. On se voit tout à l'heure. Ciao. Boum.